Hey yo! Ça fait maintenant 6 mois que j'ai sorti mon dernier tuto CMU et vous avez été nombreux à l'avoir suivi, bientôt 10 000 vues, c'est ouf. Du coup, grosse mise à jour de l'émulateur ces dernières semaines avec notamment un gros up de performance, surtout concernant les CPU multicore. Bon bah, tu sais ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il va y avoir du taf, bordel! Alors attention, le tuto d'aujourd'hui va être assez dense, ok? J'ai tenté de rassembler un peu tout ce qui avait été évoqué dans les commentaires du tuto précédent. Donc, plus qu'une mise à niveau, c'est un fucking guide ultra complet qu'on va voir aujourd'hui. Et bien entendu, quand je parle de tuto CMU, implicitement, je me concentre essentiellement sur Zelda Breath of the Wild. C'est donc ce jeu qui sera l'élément central, comme d'hab. Petit sommaire avec les timecodes qui vont bien si tu veux sauter certaines parties. Ah, y a rien, mais il va y voir. Donc on va voir les prérequis, télécharger les jeux, mise à niveau d'une ancienne version, nouvelle installation, l'optimisation Nvidia, pas AMD, optimisation générale pour les PC low mid-range, le premier lancement du jeu, quelques tips notamment l'intégration dans Steam, l'utilisation du gyroscope et les amiibo. Le confinement. On finira par une FAQ et vous allez voir que la plupart des questions que vous posez sont dans le tuto. Généralement, on est face à une erreur 34, située entre la chaise et le clavier. Allez, installe-toi confortablement, Bobby, on va encore passer un petit moment d'intimité, toi et moi. Prends ton petit carnet de notes, n'hésite pas à faire des pauses, des retours arrière si je vais un peu trop vite. Et on est parti, Bobby! Allez, on y va pour les prérequis. Alors, il te faut un OS en 64 bits, hein, indispensable. Il faut installer Microsoft Visual C++ 2017, si c'est pas déjà fait. Il te faut comme carte graphique du Nvidia ou du AMD, hein, un tel ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, bon, il te faut bon, CMU, ça c'est une évidence. Comme d'habitude, je t'ai préparé un petit pack de fichiers indispensables. Dedans, tu y trouveras les fichiers pour les amiibo, un logiciel pour faire fonctionner les contrôleurs de la Switch, la dernière version en date de CMU, CMU Hook, indispensable, un petit fixe pour ceux qui ont des problèmes avec Mario ou U, hein, Super Mario U. Le fichier de shader cache de Breath of the Wild, le logiciel USB Helper pour télécharger les jeux et Microsoft Visual C++ 2017 si tu ne l'as pas déjà installé. Sans plus attendre, on va voir une des manières pour télécharger également les jeux. Bon, ça fait 14 ans qu'il est sorti, ça va. C'est du rétro gaming. Et pour ça, on va utiliser Wii USB Helper, un logiciel qui a grandement fait parler de lui en commentaire, notamment avec ses fameuses Wii U Title Key qui fonctionnent un peu comme elles veulent. Alors oui, vu qu'avec ce soft, tu vas télécharger directement depuis les serveurs Nintendo, il se peut qu'il y ait un genre de ban, et qu'après ça, eh bien, la clé ne marche plus. Bon bah à ce moment-là, il suffit juste d'en trouver une autre qui fonctionne. Je t'en donne 3 fonctionnelles, description. N'hésite pas à signaler en com si elle ne marche plus. Allez, USB Helper, c'est parti. On clique sur l'exe. On va cliquer sur Next, sur I agree. On va choisir la version 655 en haut. On va cliquer sur Next. On va choisir le dossier installation et on clique sur install. Allez, on clique sur finish, le soft va se lancer, il fait sa petite tambouille. Allez, là on va choisir la région, donc Europe. Et non, perdu, il faut accepter d'abord les CGU. Tu fais ça, tu cliques sur Europe, tu cliques sur OK. Allez, là, on va choisir le dossier où va arriver les jeux téléchargés, d'accord? Le dossier final. Tu choisis ce que tu veux. Moi, je t'ai créé un petit dossier Wii U qui va bien, USB Helper Games. Tu fais ce que tu veux. Là, on va rentrer la clé pour la Wii U, là, c'est super important. Je te la mets en description. Elle fonctionne, là, au 19 mars, ça fonctionne. Par contre, si elle marche plus, je t'en mets 2 autres de backup au cas où. Allez, on arrive dans l'interface de USB Helper. Donc on va commencer par aller dans filtre, on va décocher tout ce qui nous intéresse pas en fait. À savoir la Wii, la 3DS, tout ça. Oui, voilà, titre personnalisé. Console virtuelle. On coche bien en bas la région Europe, comme ça on n'aura pas les autres versions de jeu. On va faire une petite recherche, on va taper Zelda. Donc les 3 Zelda qui sont sortis sur Wii U, ok.
On va faire clic droit dessus, télécharger les jeux. On clique sur OK pour les updates, OK pour les DLC. Ça va arriver dans la file d'attente en bas. Et là, tu vas cliquer sur lancer le téléchargement. Le téléchargement commence. Et là, important bordel, tu cliques bien sur décompresser. Ok ? Important. Je mets un rond en rouge. Et une fois que c'est fini, tu as tes trois petits dossiers qui vont bien. Le jeu, l'update, le DLC. Allez, les jeux c'est bon, laisse le télécharger tranquillement, il reste le plus gros du truc à faire. On va d'abord voir comment juste mettre à jour ta propre version de CEMU déjà existante. Pour ceux qui l'avaient déjà installé avant. Faut suivre. Alors, pour ceux qui n'avaient pas coché la case Automatic Updates, on va aller juste cliquer sur Aide, chercher les mises à jour, et on va cliquer sur Mise à jour s'il y a des mises à jour disponibles. Sinon, deuxième technique un peu plus à l'arrache, tu décompresses tout le dossier CEMU par-dessus l'ancien, voilà, à l'arrache. Et maintenant, on va voir comment se passe une installation toute neuve pour toi là-bas le nouveau qui vient de s'abonner. Alors, dans le pack de fichiers que j'ai mis à dispo, tu vas sélectionner CEMU et CEMU Hook. Tu vas les coller n'importe où, dans un dossier, pas sur C de préférence. Tu vas extraire CEMU, comme ceci. Tu vas copier CEMU Hook à l'intérieur de CEMU, voilà, tu le décompresses directement à la racine à l'intérieur. Une fois que c'est fait, tu vas lancer CEMU. Donc là, tu mets oui. Voilà, ça va télécharger les graphic packs. À l'époque, c'était manuel, maintenant c'est automatique. On va télécharger les shared fonts de CEMU Hook. Et une fois que c'est fait, on va aller sur Options, General Settings. On va changer le langage de CEMU. On va cliquer, bon là c'est au choix, hein, c'est comme tu veux. Hein. Par contre, clique bien sur Automatically Check for Updates. Comme ça, la prochaine fois, tu n'auras pas à le faire. Alors, le chemin du dossier MLC, ça c'est un peu le cerveau de ta console, d'accord ? Donc là, on va aller pointer celui qui est dans le dossier CEMU, hein, celui qui est tout frais, tout propre, hein, qui est vide. Vide de sauvegarde, vide de installation d'update, tout ça. Mais en fait, tu vas voir que tu pourras pointer ton ancien dossier MLC, celui où il y a toutes tes sauvegardes, tes updates, tout ça. Comme je suis en train de le faire. Là, je pointe un ancien dossier MLC. Ensuite, le Game Pass. Donc ça, c'est le dossier des jeux. Hein, le dossier que tu auras renseigné dans l'étape de Wii USB Helper. C'est le dossier qui contient tes jeux, finalement. Et tu choisis bien le dossier racine des jeux, d'accord ? Sans mettre 150 sous dossier. Et là, CEMU te demande de redémarrer, donc tu fermes et tu relances CEMU. Alors, lors d'une première installation, ton dossier MLC sera vide d'update et DLC. Il faut absolument les installer. Donc pour ça, tu vas cliquer sur Fichier, installer une mise à jour ou un DLC d'un jeu. Sur le dossier Update hein, de Breath of the Wild, que tu as téléchargé auparavant. Dans le dossier Meta, et tu vas cliquer sur Meta.xml. L'installation de la mise à jour se lance, tu laisses faire. Et on va faire exactement la même chose pour les DLC. Fichier, installer, hop, tu remontes les dossiers. Tu vas dans le dossier Breath of the Wild DLC. Dans le dossier Meta, le fichier Meta.xml. Et ça s'installe également. C'est beau. Ensuite, on va aller dans Options, Paramètres généraux, dans l'onglet Graphisme. Donc pour moteur graphique, tu laisses OpenGL si tu es sur du Nvidia ou Vulkan si tu es sur du AMD. Ensuite, étape très importante, Shaders précompilés, tu cliques sur Activer. Je répète, sur Activer. La synchro, tu l'actives hein, si tu veux. Synchro complète lors de GX2, si tu la désactives, tu gagneras des FPS, mais tu perdras en stabilité. Donc laisse-le activer, tu auras moins de glitch, c'est beaucoup mieux. Filtre d'upscaling, tu mets en bilinéaire. Là, tu laisses. Là, l'overlay, tu peux l'activer ou le désactiver. Hein. Moi, je l'active. Je mets l'utilisation du CPU, la RAM. Ça, c'est toi qui vois. Pour les messages, je te conseille de laisser compilateur de shader activé. Comme ça, tu verras si t'as fait de la merde ou pas. L'onglet audio, on va mettre X Audio 2. Latence 24 millisecondes. Si jamais tu as des petits glitches au niveau de l'audio, tu le passes à 60 millisecondes. Moi, j'en ai pas. Je laisse à 24. Mais au cas où, tu as l'info. Là, on laisse en Primary Sound Driver. La manette, on peut activer ou pas le son, hein, c'est comme tu veux. Si tu l'actives, il faut l'augmenter parce qu'il est à 0. Ensuite, l'onglet compte, on s'en tape. Hein, c'est les comptes actifs, hein, comme d'hab, c'est les profils. Tu peux en créer, en supprimer, tu fais ce que tu veux. L'onglet Debug, tu n'y touches pas. Voilà, on est pas mal, on va continuer. Donc, tu vas cliquer sur Options. Sur Région de la console, tu vas mettre en Europe, forcément. Options, langue de la console, français. Ok, ou tu mets ce que tu veux, bon, français c'est bien. On va aller sur CPU, donc Affinity, laisse sur All Logical Cores. Si tu as un AMD Ryzen, moi à l'époque il fallait mettre sur First Logical Core en premier. Bon, je sais pas si c'est toujours d'actualité pour le Ryzen. Dans l'onglet Debug, tu vas aller sur Custom Timer, tu pointes QPC, tu laisses en 1 speed.
On va aller dans MM Timer Accuracy, tu vas mettre sur 1ms. Ensuite, toujours debug, tu vas cocher Use Semuc Hook H264, comme ceci. On revient dans Options, on va aller dans Paramètres des manettes et on va s'attaquer à la configuration de la manette. Donc là, en première manette, tu vas mettre Wii U Gamepad, toujours en première manette. Tu vas cocher X Input et tu vas choisir ton contrôleur. Ok, maintenant tu configures comme à l'accoutumée. Pas de piège. Savoir que pour la seconde manette, tu pourras mettre un Wii Pro Controller. N'oublie pas de régler le vibreur en bas, il est caché. Hein, tu peux aussi jouer avec les seuils des boutons. Je m'en tape un petit peu la zone morte, la mienne est bonne. Tu fais comme tu sens Bobby là, c'est de la base. N'oublie pas non plus de sauvegarder ton profil, ok? Tu seras pas emmerdé comme ça. Ensuite, on va aller dans Options et on va aller s'attaquer aux Graphic Packs. On voit le seul jeu que tu as d'installer, donc tu vas aller dans Enhancement, tu vas cocher Clarity. Là tu vois plusieurs réglages possibles, moi je garde le premier mais après c'est ton choix. Hein. Ça va régler un peu les contrastes du jeu. On va aller sur Enhanced Reflection, bon moi je l'ai coché, non je l'ai pas coché. LOD Bias, là ça augmente par contre les textures, donc plus c'est bas, plus c'est beau. Moi je mets en moins 16 direct, je suis un gueudin. Bon ensuite c'est un peu selon tes goûts, hein. Tu fais comme tu le sens. Par contre, graphique anti-aliasing, moi je laisse le truc de base, hein. Toi tu peux tester comme tu veux. Résolution, tu mets la résolution de ton écran, hein, forcément, ici en 1080. Shadow résolution, donc là j'augmente un petit peu la résolution des ombres, c'est plus joli. Sans non plus faire le fifou, 200% c'est bien. Mode, FPS++, impératif, très important, tu coches tout. Et cette FPS limite, tu vas le mettre en 60 ou en 120 ou en comme tu veux, hein. Selon ton écran, selon tes capacités graphiques. Moi j'ai 160. Sans ça, sans FPS++, ton jeu va ramer le steak. Hein. Donc ça c'est obligatoire. Moi je montre, on peut à peu près tout régler dans chaque option de FPS++. Tiens-toi-en juste à ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal. Tu peux régler pas mal d'autres choses, hein, pas mal d'autres modes. Hein. Le temps, la longueur de la journée, tout ça, mais ça après c'est... Tu fais comme tu le sens après. Ce n'est pas un impératif. Balade-toi dans les modes, dans les différents modes, regarde bien les tooltips, voilà. Moi j'ai pas voulu dénaturer le jeu, je l'ai laissé tel quel. Ensuite, workaround, tu vas cocher les deux cases qui correspondent à ton GPU, à ta carte graphique. Ici, Nvidia. Et plus bas, pareil. Selon l'API que tu utilises, Vulkan ou OpenGL, tu vas cocher les deux cases qui correspondent. Ça va corriger des petits glitches. Ensuite, on va éditer le profil de jeu. Donc, clic droit sur le jeu, éditer le profil de jeu. On va aller sur le mode, on va mettre un recompilateur triple cœur. Là, je te mets un petit tableau. Tu choisiras le mode qui correspond à ton processeur, suivant le nombre de cœurs. Et ensuite, tu mets en 100 000 cycles. Graphisme, on touche pas. Manette, on touche pas. Allez, maintenant, on va s'attaquer au nerf de la guerre. Donc, tu fermes CMU. Et tu vas aller chercher dans le pack de fichiers que j'ai mis à dispo les shader cache. Breath of the Wild, donc tu copies le fichier zip, je crois que si j'ai mis un dossier, je l'ai dézippé en fait, directement. Bref, tu prends le petit fichier bin, et tu le mets dans Shader Cache Transferable, du dossier CMU. Tu peux supprimer le surplus. Mais s'il y a trop, tu me rends la monnaie, hein. Comme dit, CMU gère les Shader Cache à la fois pour l'OpenGL et Vulkan. Je te mets en description un site web où tu pourras trouver d'autres packs de Shader Cache au besoin. Et si tu bites pas du tout ce que c'est un Shader Cache, je t'invite à mater le tuto Yuzu, l'émulateur Switch. Le lien, m'en fiche. Allez, on continue avec une étape essentielle pour tirer parti du maximum des performances que peut offrir CMU. En tout cas avec les utilisateurs Nvidia. Les autres, on en reparle en fac en fin de vidéo. Donc pour commencer, on va rename le fichier cmu.exe pour s'y retrouver un peu plus. Donc tu marques ce que tu veux, moi je marque le nom de la version directement. Ça n'influe pas sur le fonctionnement de CMU, tu peux y aller, y a pas de problème. Ensuite, clic droit, panneau de configuration Nvidia. On va aller dans gérer les paramètres 3D, paramètres de programme, on va faire ajouter. On va aller pointer donc ce nouveau exécutable qui est ici, donc qui est par là. Hop, dossier CMU, tout frais, tout propre. L'exé qu'on vient de renommer, il est là. Ensuite on va modifier quelques options. Triple mise en mémoire tampon, on active. Ensuite la synchro verticale, on désactive. Par contre tu peux, si tu le souhaites, mettre un adaptatif ou rapide, ça marche aussi. Ensuite, trame prétendue de réalité virtuelle, on met sur 1. Processeur graphique, tu choisis ta carte graphique. Optimisation 3D, on va activer. Et le fameux mode de gestion de l'alimentation, on met en privilégié les performances maximales. Putain, ça va vite, hein.
Donc à partir de là, tu peux cliquer sur appliquer. Même tu cliques, tu dois cliquer sur appliquer. Tu peux fermer la fenêtre, on est bon niveau optimisation Nvidia. Maintenant, on va voir comment on peut améliorer les choses pour les utilisateurs de config de PC un peu moyenne, généralement entre 4 et 8 Go de RAM par exemple. Même s'il n'y a pas de secret, ça changera pas la vie non plus. Pour émuler convenablement cette console, il va falloir quand même un PC qui dépote un minimum, comme d'hab. Alors sur Windows 10, on va juste taper Alim comme alimentation dans le champ de recherche en bas à gauche, et on va cliquer sur modifier le mode de gestion d'alimentation. Ensuite, on revient un cran en arrière sur option d'alimentation et on va cocher performance optimale, Bobby. Et on ferme la fenêtre. Ensuite, même endroit, on va taper ce CE hein, comme ce PC. On fait un clic droit sur ce PC, propriétés. Ensuite, on va aller dans paramètres système avancé. On va aller dans paramètres, onglet avancé, modifier en bas à droite. Donc là, tu décoches gestion automatique, tu vas faire taille personnalisée. Tu vas mettre par exemple 10 000 encore une fois en dessous. Et tu fais définir en choisissant bien une partition en haut. Et tu cliques sur OK. Là en fait ça va te créer un page file, un fichier d'échange qui va aider si t'as pas beaucoup de mémoire. Bon allez, on y est. Y'a plus qu'à voir ce que ça donne Bobby. Bon bah là t'as fait le plus gros hein, tu lances CMU, tout simplement. Tu vas aller double-cliquer sur le jeu, hein, ou faire clic droit démarrer. C'est au choix. Donc là pour le premier lancement, CMU va compiler les shader cache, d'accord. Donc ça va prendre un certain temps. J'ai mesuré, je crois que ça prend 5 minutes sur un i9 overclocké, alors ça prend un certain temps, voilà. Donc prends ton mal en patience, c'est que la première fois, t'inquiète pas, c'est normal. Et pense à faire option plein écran aussi, c'est mieux. Donc là on est sur l'écran de chargement, c'est normal, c'est un petit peu long. Surtout la première fois. Et on arrive au lancement du jeu, directement, donc là il n'y a plus qu'à. Alors on va avancer un petit peu pour voir ce que ça donne quand même dans le jeu, hein. On va passer la cinématique. Et dis-toi que le plus gros est derrière toi à partir de là, donc là il te reste plus qu'à jouer, jouer et rejouer. De toute façon on est confiné pendant des semaines, t'as que ça à faire Bobby. Ça y est Bobby, on a réussi putain, je suis ému. Donc tu vois le jeu est beau et fluide, tout va bien. Y'a plus qu'à. Allez maintenant on va voir ce que ça donne sur un second lancement, hein. Et j'ai intégré mon MLC Pass, donc c'est-à-dire mes sauvegardes, mes updates, tout ça, à chaud comme ça directement. On voit ce que ça donne. Donc là, tu vois, la vitesse du compilateur de shader cache va beaucoup plus vite. Voilà, la vitesse va vite. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas français. Mais t'as quand même compris le concept. Et c'est ça qui est beau dans la langue française, putain. Oui, je comble les trous. Je voulais forcément te montrer la longueur d'un shader cache en temps réel, donc je suis obligé de meubler. Voilà. Et là, j'ai plus d'idée. Je sais plus quoi dire. On y est ! Putain ! Encore quelques secondes. Donc voilà, on voit, y'a mes sauvegardes qui sont là. Je suis au même endroit, c'est tellement beau. Oh, putain. On dirait que c'était écrit à l'avance, putain. Et voilà, c'est tout pareil avec plus de stuff. Voilà, c'est la même chose. Il fait plus beau, il y a plus de soleil. En tout cas, le jeu tourne bien, il est assez fluide. Il est très 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 jouable, y'a pas de problème. Fais-toi plaisir, Bobby! Et tu peux voler en plus. Un petit spoil, j'avais pas fait gaffe. Et en plus, je suis pas venu pour rien. Voilà. Hop là, il m'avait échappé celui-là. Allez, maintenant que t'as vu les bases, on va essayer d'aller un peu plus loin. Je vais te filer quelques tips. Ouais. On est comme ça ici. Allez, petits tips, on va voir comment intégrer tout ça dans Steam. Ça t'évitera de lancer CMU tout ça manuellement. Attention, utilisateur du Steam Link depuis une mage CMU ou Steam, plus possible d'avoir du 60 IPS sur le Steam Link. Ça, c'est la tristesse absolue. J'ai galéré pendant des heures pour le faire fonctionner, là où d'autres n'y arrivaient plus depuis la 1.15 et des brouettes. Mais ça marche plus depuis deux semaines. La PLS totale. Calme-toi, t'imagines bien que j'ai trouvé une solution facile et sans rien acheter pour que ça fonctionne. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo, Bobby. Allez, dans Steam, on va en bas à gauche, dans Ajouter un jeu, Ajouter un jeu dans Steam. Ensuite, on va aller cliquer sur Parcourir, on va aller chercher le petit exe qui va bien. Donc, dans ton dossier, CMU. Hop, comme ceci, tu vas aller pointer CMU.exe de base. Tu fais Ajouter les sélections, il est déjà sélectionné de base. On va aller tout en bas, dans 100 catégories, sur CMU, clic droit Propriétés. Là, à la suite de la cible, tu vas faire espace, tirer G,
Ok, ça c'est pour lui spécifier le chemin du jeu. Ce qu'on va faire de ce pas, tu vas aller dans ton dossier des jeux. Ok, donc moi il est là. Hop. Tu vas prendre le dossier Breath of the Wild, hein, du jeu, pas de l'update. Tu vas faire le code. Tu vas sélectionner yuking.rpx, copier le chemin d'accès. Et tu vas aller le coller dans Steam. Donc la cible, espace dirigé, espace, tu colles ça. Donc c'est le chemin du jeu, entre guillemets, hein, si tu veux le mettre à la main. Ensuite, tu fais espace-F pour forcer le plein écran. Et tu fermes. Tu vas aller en bas dans sans catégorie, clic droit. Et tu cliques sur jouer. Donc je répète, hein, la syntaxe c'est cible, espace-G, espace, entre guillemets, l'emplacement du jeu, espace-F. Et puisque ça a déjà été demandé en commentaire, on va aller plus loin dans les tips. On va voir que l'usage du gyroscope dans ces mues n'est pas un mythe, Bobby. Il y a même plusieurs façons de l'utiliser. Parce que même si la majeure partie des sanctuaires dans Breath of the Wild ne le nécessite pas, il est vrai que l'usage du gyro du Wii Gamepad est un plus, si on veut pas s'asseoir sur plusieurs emblèmes de triomphe. Tu veux des cœurs? Moi je veux des cœurs. Alors le plus simple, c'est d'utiliser la souris. Donc tu restes appuyé sur le clic droit et tu as trois axes, hein, vertical, horizontal et la roulette. Ça fait les trois axes. Bon, ça marche, par contre c'est la misère. Hein, voilà. A noter que je n'ai pas eu besoin d'activer le gyro dans les options, j'ai juste cliqué comme ça sans rien préparer à l'avance. Vérifie quand même si c'est ton cas, au cas où. Et à toi les sanctuaires gyroscopiques, Bobby. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais moi j'y joue depuis mon canapé. La souris, c'est saut 2019. Allez, prends ton smartphone, on va régler ça. Alors, il y a une alternative, donc tu vas cliquer sur options dans CMU, Gamepad Motion Source, le slot 1, by slot. Ok. Après, ça se passe sur ton téléphone, Bobby. Tu déverrouilles ton téléphone. Oh, Bobby, canaillou. Vérifie que tu es bien sur le Wi-Fi de la maison, hein, et que ton PC soit bien raccordé à la même box. Forcément. Ensuite, tu vas aller sur le Play Store et tu vas chercher Sensor Kinetics. Sensor, avec un S. Sensor Kinetics. Tu vas l'installer, tu vas l'ouvrir. C'est une application qui va te permettre de voir si tu as un gyroscope intégré dans le téléphone. Si t'en as pas, tu as aussi l'accéléromètre, mais c'est un peu plus merdique. Tu fermes ça, ensuite tu vas aller dans la description de cette vidéo sur ton téléphone et tu vas télécharger le petit fichier Motion Source à partir du téléphone. Ensuite tu fais ouvrir, tu fais installer. Il se peut que ton téléphone te demande des autorisations spéciales, hein, tu cliques sur OK forcément. Tu fais ouvrir. Là tu vas cliquer sur l'adresse IP privée qu'il y a juste en haut là et tu cliques sur le serveur. Comme ceci. Tu peux verrouiller, laisse comme ça, on va aller sur le PC. Et ça c'est pour ta tronche. Ensuite, de retour sur le PC, on va fermer CMU. On va rentrer dans le dossier CMU, on va lancer cmuhook.ini avec un bloc-notes. Ensuite, retour à la ligne, tu vas taper serveur IP, espace, égal, et l'adresse IP qu'il y avait écrit sur ton téléphone. Respecte les majuscules, je sais pas si c'est sensible à la casse. Ensuite, tu fais fichier, enregistrer, et tu fermes. Bravo. Ensuite, on va relancer CMU. On va aller dans Options, dans Gamepad Motion Source. Premier slot, on vérifie que ce soit toujours bien coché by slot. C'est le cas. Magnifique. On lance le jeu. Et puis on va tester le Mobi. Et voilà. C'est magnifique. Donc en gros, même si ton téléphone est verrouillé, hein, comme c'est en mode serveur entre guillemets, tu peux le bouger, tu le poses à côté dans le canapé. Ça bouge pas, c'est nickel. Tu peux tourner dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers. Tu fais une petite roulade, Bobby. C'est énorme. Non, non, non. Enfin, en tout cas, ça marche. Bon, là, c'est un P30 Pro, mais un smartphone avec un gyro intégré, c'est pas ce qui se fait de plus rare non plus de nos jours. Par contre, attention pour l'élite de l'élite, ceux qui ont acheté Breath of the Wild sur la dernière console Nintendo, mais qui se tournent quand même vers l'émulation Wii U, parce que le rendu est meilleur. Il existe une solution encore mieux que tout ça. Les contrôleurs de la Switch elle-même, le Joy-Con et le Pro Switch Controller. Bon, ici, ce sera juste les Joy-Con, hein, parce que je suis pas de l'élite, la crème, tout ça. Allez, clic droit sur l'icône du Bluetooth, ajouter un périphérique Bluetooth. Ah oui, si t'as pas de Bluetooth, tu peux passer à la suite, hein, direct. Hein. Ensuite, tu restes appuyé sur le petit bouton du Joy-Con au milieu, tu fais ajouter un périphérique Bluetooth, en mode Bluetooth. Tu le trouves, tu fais OK. Et tout va bien, tu fais exactement la même chose pour le second Joy-Con, tu le laisses clignoter même si ça s'arrête pas, c'est pas grave. Ensuite tu ouvres le dossier Better Joy for CMU, tu vas faire clic droit lancer en administrateur sur Driver Install. Si ça t'emmerde, tu cliques là-dessus, tu fais exécuter quand même. Une fenêtre s'ouvre, tu cliques sur Installer les drivers et tu laisses les drivers s'installer tout simplement.
Quand c'est fini, tu appuies sur la touche pour que ça ferme la fenêtre. Et ensuite, tu vas cliquer sur betterjoyforceemu.exe. Ça ouvre une petite fenêtre et tu vois que tes Joy-Con sont bien connectés à betterjoyforceemu. C'est cool. Et en plus, ils sont appairés. Magnifique. Tu les mets dans le petit pod qui va bien. Tu vas dans Cemu, tu configures donc ta manette. Hein, c'est reconnu comme une manette X-Input, hein, comme une manette Xbox. Donc tu fais exactement la même chose que d'habitude. Et puis on va tester sur un petit jeu, voir si ça fonctionne. Voilà, bon bah ça a l'air de fonctionner. Hein. Un petit Mario Kart qui va bien. Hop. Ça fonctionne. Ah, ça, ça marche pas par contre. Marche pas? Dans quelle section là? Ah oui, merde! Bien évidemment que ça marche, Bobby! Donc quand t'as fait tout ça, tu vas sur Cemu, dans l'option, dans Gamepad Motion Source, et tu vas aller choisir le deuxième slot, et tu fais By Slot. Ok. Par contre, si tu as rempli le fichier cemuhook.ini là avec le serveur IP, il faut l'effacer ça, hein. C'était pas du tout le même tuto. Hein. On va tester dans le jeu. Hop, et ça fonctionne, Bobby! Le gyroscope avec la manette de la Switch. Quelle ironie! Hop, je droite. Au bas. Ça c'est beau. Allez, on continue avec les petites astuces qui vont bien. Et étonnamment, peu demandé en commentaire, mais demandé quand même. Les amiibo. Bon, déjà, c'est quoi un amiibo? Non. Ah, c'est une blague de confinement. J'ai pas mieux. Les amiibo sont des figurines ou des cartes interactives qui interagissent avec vos jeux. Utilisez un amiibo lorsque vous jouez à un logiciel Nintendo Switch, 3DS ou Wii U compatible et vous découvrirez de nouvelles fonctionnalités surprenantes. C'est la folie! Les amiibo ont différents effets selon les jeux. Vous pouvez débloquer des nouveaux modes, des armes ou des améliorations de personnages ou encore booster les capacités de votre amiibo pour en faire un allié ou un ennemi redoutable, bordel de merde! Voilà. 15€ TTC. L'unité. Alors, une fois dans le jeu, on va aller dans les options du jeu, dans les paramètres, et on va activer les amiibo, tout simplement. Ensuite, on va appuyer sur le bouton de la tablette checker, et on va choisir amiibo. On va lancer le truc, on va cliquer sur NFC en haut. NFC, scanner, c'est NFC, scanner un tag NFC, et tu vas aller choisir le fichier bin parmi la liste que je t'ai mis dans le petit fichier à disposition. J'ai dit ça au moins 107 fois dans le tuto. Et hop là, plein de cadeaux, plein de loot. Ah bah oui, à partir de là, c'est le florilège du loot, hein, c'est la fête du slip, hein, jusqu'au bout de la nuit, Bobby. A savoir que chaque amiibo a sa propre table de loot, hein, qui est un petit peu aléatoire. Et oh, y a le cheval. Magnifique. Je suis mon petit. On va aller t'enregistrer. Mais attends une seconde. Mais c'est Epona la jument légendaire! Alors, l'avantage des amiibo, hein, hormis la dispense de farm hein, qu'ils apportent, c'est que tu as aussi des loots uniques aux amiibo. Voilà, c'est pas français, mais t'as compris. Par exemple, bah, l'armure du dieu démon, tu ne peux l'avoir que avec les amiibo. Et attention, eh oui, tu ne peux les utiliser qu'une seule fois par jour, hein, des jours IRL. Hein. Donc tu peux essayer, hein, ça ne sert à rien, hein. Y a une restriction. Alors, il y a bien un moyen de bypasser cette restriction, même assez facilement, hein. Tu peux choisir manuellement ce que tu veux looter. Mais c'est de la triche, Bobby! Il faut pas tuer l'esprit du jeu! À part si tu me suis sur Insta et Facebook. Bah, il se pourrait que dans les jours qui viennent, je donne l'astuce. J'ai mis dans le pack de fichiers habituels les principaux amiibo utiles pour Breath of the Wild, mais je te mets aussi un lien random où tu pourras quasiment tous les télécharger. Bah, je les ai pas comptés, mais il y en a tellement que. On va dire qu'ils y sont tous. Je t'ai également mis un lien dans la langue de Shakespeare, en anglais. Ouais. Où tu trouveras quel amiibo fait quoi. Et j'en ai mis un autre, dans la langue de Molière cette fois, où tu pourras faire la correspondance item amiibo dans l'autre sens quoi. Allez, c'est parti pour la FAQ. Alors on a une question de j'ai pas les commentaires sous les yeux, donc j'ai noté les questions, je sais pas qui c'est. Alors première question, comment jouer online? La condition sine qua non est de posséder une Wii U, ce que je n'ai pas, donc j'ai pas pu tester. Donc je te mets néanmoins un lien explicatif, hein, en anglais malheureusement, en description. Mais fais attention au ban, Bobby. Pour la partie AMD, alors là je vais devoir m'en remettre à un abonné vu que je ne peux pas tester moi-même non plus. Hein. Je te laisse t'exprimer en commentaire s'il y a des choses à affiner, à rajouter, ou voilà. Je te mets donc en description le retour de Barabbas pour ce qui est de l'optimisation Ryzen. Et merci Bobby d'ailleurs. Très bon exemple. Le partage. Alors ça lag dans le jeu parce que les shader cache se compilent. Bon voilà, deux cas de figure. Hein. Soit, premièrement, tu n'as pas bien suivi le tuto à la lettre, et à ce moment-là, je t'inviterai à recommencer depuis le début.
Soit tu essayes de mettre en place les shader caches pour un autre jeu. Et dans le deuxième cas, fais gaffe que le nom de fichier corresponde bien à ce qu'il devrait être. Et oui, c'est aussi le cas sur le site que j'ai mis en description. Tous les noms, hein, en tout cas la plupart que j'ai testé, ont été créés à partir de la version US du jeu. Et comme tu t'en doutes, du coup, hein, le nom du fichier bin n'est pas exactement le même. Alors pense bien à renommer le fichier avec le nom de la version EU. Hein. Tu peux le voir dans la barre du haut de CMU quand tu lances le jeu. Hein, ou simplement en lançant le jeu sans shader cache, et tu verras qu'il y a un petit fichier qui se met à la place, qui porte ce nom. Et si tu te poses la question du pourquoi j'ai linké ce site malgré tout, bah, c'est que les shader caches sur ce site sont quand même assez complets. Hein, c'est dommage de faire l'impasse dessus juste à cause d'un renommage de fichier. Les jeux ne se téléchargent pas dans Wii USB Helper. Question très à la mode. Les Wii U Title Keys. Voilà, tout est dit. Si ça se télécharge à l'infini dans le vide, ou si ça merde dans l'obtention des jeux, c'est que la Wii U Title Keys que tu utilises n'est plus la bonne. J'en ai mis 3 à ce jour en commentaire. Maintenant, si tu regardes le tuto dans 6 mois, peut-être qu'elles seront plus bonnes. Bon, bah là, bah, faudra que t'en cherches une sur Google. Hein. Donc, n'hésite pas à le dire en commentaire, on pourra t'aider, d'accord? Et si tu as l'info, bah n'hésite pas à la mettre non plus. Hein. T'auras fait ta BA, Bobby. Comment changer de la Wii U Title Key dans USB Helper? Bon, plus simple, c'est de te montrer en vidéo. Alors, dans le logiciel, tu vas cliquer en bas sur modifier l'emplacement. Okay, le logiciel va se fermer, tu le rouvres, et à partir de là, on va te demander de rentrer la nouvelle Wii U Title Key. Donc, tu peux mettre une des deux autres que j'ai mis, ou une autre que tu auras trouvé toi-même. Tu mets ce que tu veux, Bobby. Et tu cliques sur OK. Les jeux n'apparaissent pas après avoir mis l'emplacement dans CMU. Donc, si je prends en compte le fait que tu as également suivi le tuto pour te procurer le jeu, hein, avec Wii USB Helper, si après téléchargement, il n'apparaît pas alors que hein, tu as bien renseigné le bon emplacement dans CMU, c'est que tu n'as pas suivi le tuto, Bobby. Le rond rouge, bordel! Fallait cliquer! Bon, c'est pas grave, je te mets en vidéo comment t'en sortir malgré tout. Alors, dans mon cas, j'ai délibérément téléchargé Hyrule Warrior sans cocher la petite case. Donc je prends le jeu, clique droit dessus, décompresser en mode load-in. Tu cliques sur jeu, sur mettre à jour, tu choisis la mise à jour qui va bien, hein, celle que tu as téléchargée. Tu cliques sur OK, clique sur DLC, tu cliques sur OK. Et à partir de là, il va décompresser tes jeux qui étaient en format brut. Donc là, on peut aller voir, hein, les jeux étaient en format brut, entre guillemets, hein, dans Games. Tu vois, ils sont comme ça. Après décompression, ils arrivent dans le bon dossier, le dossier que tu avais choisi au début pour télécharger les jeux. Et ils sont au même format que les autres. Bingo! Le fameux problème de mise à jour console. Problème qui est étonnamment revenu très souvent, alors qu'en fait, si tu suis le tuto, le problème n'a pas lieu d'être. Donc si tu as ce message, c'est soit que tu n'as pas installé les updates, soit que tu as installé les mauvais updates. Et oui, comme dit plus tôt, il existe différentes versions de jeu, hein, suivant les régions choisies. Si tu installes l'update d'une version US sur un jeu EU, ben, CMU considère que t'as fait de la merde et il attend son update. Pense à lui, bordel, fais-le. Où se situe l'emplacement des sauvegardes? Bon, je l'ai pas mis en commentaire, mais je le lâche ici, hein, c'est utile pour bidouiller. Et surtout pour un certain site de cheat code, que je ne donnerai pas ici. Contourner l'usage de la Wii U, ça, d'accord. Mais dans l'esprit des concepteurs de jeux, s'il vous plaît. Donc si tu veux juste copier, sauvegarder ou quoi tes backups, c'est dans ce dossier que ça se passe. Voilà, il est en description de toute façon. A noter que le nom de dossier 101CM9500 concerne Breath of the Wild. Pour les autres jeux, il suffira juste d'aller dans le dossier qui correspond au code du jeu. Hein, par exemple, le 101-43600, le code pour Wind Waker. Super Mario U qui crash après la cutscene de démarrage. Alors c'est un crash connu, c'est relou, ça m'est déjà arrivé. Tu décompresses juste le petit fixe Mario que j'ai mis à dispo et tu mets les fichiers .date dans l'emplacement qui apparaît quelque part. Attention, il y a deux versions de ce jeu, hein, celle de base et celle avec le plus Luigi U. Mon fixe concernait la version de base, à la base, mais il semble aussi fonctionner avec la deuxième version. Test, tu verras bien, normalement ça marche. Il y a des bugs sur les boss et les cutscenes des créatures divines. Problème connu qui m'a rendu fou complet, hein. L'ombre de la foudre, hein, sur Vanamoris qui se tape un sprint tout seul dans le vide, c'est pas pourquoi. Donc la résolution est assez simple, hein, puisqu'il suffit de passer la limite des FPS dans FPS++ à 30 FPS au lieu de 60 FPS de base. Voilà, c'est tout simple. D'ailleurs c'était écrit dans Toolkit, hein. C'était un petit peu... Enfin c'est pas ta faute, hein, mais... voilà. Ta vidéo est merdique. Ah ouais, là par contre, bon, la résolution aussi est simple, hein. Il suffit que tu t'abonnes et que tu partages la vidéo au monde entier. Voilà, montre à tout le monde à quel point elle est nulle. Fais-en ton cheval de bataille, Bobby. Je suis derrière toi. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que tu auras bien compris comment ça fonctionne, que tu auras appris des choses et que le jeu fonctionne bien chez toi. N'hésite pas à poser en commentaire si t'as des questions. Généralement, j'y réponds assez rapidement. Bon, je vais pas répondre à tout le monde, hein, mais j'essaye. Une seconde partie suivra bientôt qui portera essentiellement sur la portabilité de l'émulateur. Mais y jouer depuis
n'importe où. Vidéo à ne pas louper. Sur ce, c'était l'art, et je te dis à plus Bobby pour une nouvelle vidéo. Alors, on y va. Je vais dans les plaines d'Hyrule, au grand air.